Cyril Gane perd horriblement contre John Jones. Mais bon, ce n'est pas le sujet du jour. Francis Ngannou est le combattant MMA le plus terrifiant de la planète avec une puissance qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire. Et pourtant, il se laisse impressionner par d'autres combattants comme Alain Galani, un compatriote camerounais. Sa flexibilité est hallucinante. Francis Ngannou est peut-être le combattant le plus terrifiant de la planète MMA grâce notamment à son incroyable puissance de frappe. Le Predator peut endormir n'importe quel adversaire en un coup, raison pour laquelle chacune de ses apparitions est un grand événement. Revenons au sujet du jour, nous allons parler d'Alain Galani. Alain Galani pratique le judo, le karaté, le muay thai et le kickboxing. Il pèse 108 kg, il a été ceinture noire de judo, ceinture noire de karaté dans 3 styles différents. Nous avons le Shotokan, le Koshiki et le Kyokushinkai. Alain Galani, l'homme capable de se mettre un coup de pied dans la tête. C'est surtout sur les réseaux sociaux que ce Camerounais de 47 ans se distingue. Il compte plus de 921 000 abonnés sur Instagram et plus de 347 000 sur Facebook. Il publie des vidéos toutes plus impressionnantes les unes que les autres, où il met en scène une souplesse assez exceptionnelle. Sans oublier qu'il est aussi 5 fois champion du monde kickboxing et 4 fois champion du monde de Muay Thai. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez découvrir qui est Alain Galani. Et regarde la vidéo jusqu'à la fin, sans oublier de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active ta cloche de notification et mets un like sur la vidéo pour nous encourager car c'est nécessaire. Si c'est fait, alors let's go. Commençons d'abord par qui est Alain Galani. Pierre Alain Galani est un artiste martial mix et kickboxer de Muay Thai d'origine camerounaise. Actuellement sous contrat avec One Championship où il concourt dans la division des poids lourds. Il a été 5 fois champion du monde de kickboxing. Alain Galani peut laisser tomber les combats professionnels et se concentrer pleinement aux réseaux sociaux où ses vidéos connaissent un succès totalement dingue. Il est difficile de ne pas être d'accord avec Francis Ngannou. Sa flexibilité est hallucinante. Alain Galani est surhumain sur certains points. Il a une montagne de muscles et pourtant il conserve une agilité et une flexibilité totalement hallucinantes. S'il remonte dans la case un jour, il devrait être bien meilleur que par le passé avec ses progrès. Alain Galani a commencé à apprendre le judo à l'âge de 6 ans. En suivant ses frères, il a commencé à montrer ses capacités très tôt. Remportant des tournois juniors consécutifs au Cameroun et dans toute l'Afrique, il a été influencé par sa mère qui aimait le sport et voulait que ses garçons apprennent la discipline et concentrent leur énergie de manière positif. Il fait partie d'une fratrie de 4 frères, tous pratiquant le judo et une sœur. À l'âge de 17 ans, il devient le plus jeune dans l'équipe du Cameroun pour les championnats du monde. Il a commencé à gagner plusieurs compétitions régionales et nationales. De 1998 à 2001, il est champion d'Afrique de kickboxing et du coup, il a abandonné ses études en médecine. Grâce à ses performances sportives et à son corps atypique, il est sollicité comme garde du corps des personnalités VIP en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Il est recruté par Laurent Gbagbo pour sa sécurité. Il va sillonner plusieurs pays dont la Thaïlande et la Chine et finalement il se décide à s'installer à Hong Kong qui devient sa terre d'accueil et aujourd'hui il a obtenu la nationalité. Surnommé la panthère noire grâce à sa robustesse et à son agilité, il est imposant sur le ring et gagne presque toujours par KO. De sa carrière, sur 33 matchs, il a connu 28 victoires dont 25 par knockout. L'un de ses combats les plus rapides fut contre Hideki Sekin qu'il vint par KO en 11 secondes. Il obtient alors le meilleur temps par élimination directe de l'histoire en 2017. En dehors du sport, Alain Galani est bon danseur extraordinaire. Il a créé sa propre compagnie Impact MMA à Hong Kong permettant aux jeunes et à tous de pratiquer du sport. Sans oublier qu'il investit beaucoup dans le fitness et dans le développement personnel. Il n'hésiterait pas aussi à échanger mains et coups de pied avec un compatriote, le célèbre Francis Ngannou. Voilà, c'était un plaisir de partager ceci avec vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Que penses-tu du sportif Alain Galani? Comment as-tu trouvé la vidéo? Laisse ton avis en commentaire, partage la vidéo au max et mets un like pour encourager car c'est nécessaire. Retrouvons-nous très prochainement pour autre vidéo super intéressante sur la chaîne. N'hésite surtout pas de proposer le sujet de la prochaine vidéo que tu aimerais voir dans les commentaires. Ciao les amis.